Et le retour de la Ligue 1 aussi ce soir, ouverture de la 15e journée. Marseille-Montpellier, l'OM distancé, éliminé de toute Coupe d'Europe. Le club et ses joueurs qui ne se cachent plus, ils sont devenus une équipe ordinaire. Gaël Biche, Florent Germain. Marseille enfile son bonnet d'âne. Mardi, l'OM perdait son 5e match consécutif en Ligue des Champions. Un 0 pointé inédit pour un club français dans la compétition. Alors avant de recevoir Montpellier, personne ne se cherche d'excuses. Il y a un écart qui nous sépare de ces très grandes équipes, de ces joueurs qui sont programmés pour aller loin en Ligue des Champions. Et tout ça, ça doit nous demande du travail. Mais pour viser plus haut, il faut surtout de grands joueurs. Et l'OM, en pleine restriction budgétaire, a fait le choix de compter sur ses jeunes, Imbula, Lemina ou Thauvin. Sauf que ce dernier est bien le seul à ne pas décevoir. Parfois, vous savez, quand vous êtes dans votre petit monde, même si on est champion du monde, finaliste du championnat d'Europe, chez les jeunes et tout ça, qu'on porte le maillot bleu à jeunes, on pense qu'on est déjà au sommet de son art. Comme si jouer à Marseille, plus grand palmarès français était une fin en soi, mais la réalité est tout autre. Cet OM-là, 4e à 5 points du podium, devient banal, si bien que même l'Europe arrive à s'en passer.